Et si je te racontais c'est quoi une journée en cuisine? Tu regarderais à quoi ressemble ma tatin de butternut? Et alors, je vais pas t'expliquer comment éplucher un butternut, mais pour le coup, je vais te dire que moi, je cuis mes lamelles de butternut avant. Et ensuite, je cuis la tatin avec la pâte feuilletée. Ça permet d'avoir un rendu bien caramélisé. En parallèle, je prépare une petite salsa verde. Je mets de l'eau à bouillir pour faire des œufs durs. À côté de ça, je mets une ganache choco dans ma poche à douille. Je goûte. Mais elle est un peu trop dure, donc je vais la laisser revenir à température ambiante. Je débarrasse mes œufs et je fais une petite vinaigrette à base de grenade. Je débarrasse et je m'occupe de ce qui va être sur mes tartines, donc une mayo mélangée avec des œufs durs et des anchois. Et c'est parti pour le service. Bon, ma tartine. Ah, j'avais oublié, de base je devais te montrer ma tatin. C'est magnifique. Oh, c'est beau.